Alors, des restes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Pour faire du parmentier de canard aux noisettes, il me faut les restes de purée, des cuisses de canard confites, une carotte, des échalotes, du thym, des noisettes hachées et de l'huile de noisette. Je commence par réchauffer les cuisses de canard confites quelques minutes au four pour qu'elles soient plus faciles à effilocher. Je coupe assez finement ma garniture, donc la carotte et les échalotes. Je fais bien revenir la garniture dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais ensuite retirer la peau et effilocher le confit de canard. J'ajoute le canard à la garniture et je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes. Dans la purée, je vais verser l'huile de noisette, un peu de fleur de thym, un peu de noisette hachée, je vais en garder pour après. Je vais passer la purée 2 minutes au micro-ondes. Pour le montage, je dispose d'abord la viande, puis une couche de purée à la noisette. Et enfin, une petite couche de chapelure de noisette qui va venir gratiner. Et j'enfourne le parmentier à 180 degrés. Et voici comment faire un parmentier de canard aux noisettes.